Oui, en gravure. Je faisais de la gravure. D'accord. Okay. La gravure sur cuivre notamment. Et okay. puis j'ai fait les arts appliqués aussi. Moi, j'aime pas trop l'aquarelle parce que. C'est de la peinture à l'eau, c'est ça? Ça, c'est une forme de peinture à l'eau. Oui. D'accord. Celle-là, qui vient du Japon. D'accord. Et ça, bah, j'en ai plein la boîte. C'est des petits tubes de peinture comme ça. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est de la peinture qui se mélange à l'eau et qui tient beaucoup plus que l'aquarelle, qui a des couleurs plus vives, ouais. peut-être. Avec des pigments qui viennent du Japon, mais ça pourrait venir d'ailleurs. Et qui sont mélangés avec ce truc-là qui est un goffin. Le goffin, ça tient comme une colle. D'accord. Papier japonais. Ça, c'est pour. Je m'amuse à dessiner dessus. Hyper léger. D'accord. Ouais, c'est hyper fin. Pour moi, c'est un hommage à Joan Mitchell, qui est une des artistes américaines que j'aime beaucoup. Que j'ai découvert à Paris très longtemps. Elle m'a touchée. Enfin, elle me touche toujours. D'accord. Joan Mitchell. Joan Mitchell, ouais. En fait, c'est le capucine de mon jardin, de mon balcon, qui m'accompagne tous les ans. Alors là aussi, alors ça c'est avec de la cire. Vos toiles, elles sont très végétales en général, c'est souvent de la nature Ah ben c'est de plus en plus la nature parce que, je veux dire, les humains m'intéressent, mais pour moi c'est plus en photo que je les prends, parce que sûrement non. Mais non, je pense que l'univers est en danger et que c'est une manière de dire, de se souvenir qu'il y a toujours de la verdure, il y a toujours des fleurs, il y a toujours des choses qui existent, qu'il ne faut pas les perdre. C'est un peu dans cet esprit-là. Alors, quand même, je tiens à dire que pour moi, la peinture, c'est la cosa mentale. C'est quelque chose qui vient d'une construction psychique ou mentale préalablement avant de l'inscrire sur le carton ou sur la toile. Parce que si on n'a pas un minimum de représentation, ça va pas, quoi. Mais en même temps, ça se construit au fur et à mesure. Ce que j'ai fait un peu ce matin, c'est tout de suite, là. C'est-à-dire que j'avais l'idée de certaines formes qui s'emboîtent. Je pensais, je vous le dis, à M. Poliakov, qui quand même a laissé des traces, puisqu'il correspond à un certain emboîtement de matière, de forme. Et c'est pas du tout ses couleurs. Et donc c'est des choses qui sont mobiles, en fait. La création, elle est mobile, elle est pas figée. C'est pas une photo. La photo, c'est un instant. Et que la peinture, elle peut être retravaillée. C'est pour ça que je vous citais tout à l'heure M. Bonnard, qui mettait du jaune sur son tableau, qui était déjà au musée, et que le gardien lui dit « Mais monsieur, ne touchez pas !» Et il lui dit « Mais c'est mon tableau enfin, !» Je trouvais ça succulent, quoi, comme vraiment. C'est mon exercice, pas quotidien, mais presque, parce que si je me mets à... Si je voyage, je peux pas, mais... je fais une série sur tous les jours. Oui, j'essaye, en tous les cas... Tous les jours, ce serait de mentir, mais quasiment tous les jours. Très bien. Parfois, d'abord pour entraîner la main. Le regard, j'ai pas trop de problèmes, mais entraîner la main pour pouvoir aussi, après, passer sur le grand écran, sur la toile. Mais enfin, c'est pas forcément ce que j'ai fait là qui fait que je ferai une toile comme ça. D'accord. Mais c'est pas des esquisses. Je fais ce qu'on appelle, bon, ça s'appelle des croquis, quoi. On peut vous trouver sur Internet, je crois que vous avez votre site Internet. Ouais, j'ai un site, mais il est... Un Wix site, il est très ancien, il n'est pas actuel. Non, mais il y a quand même des belles choses. Mais on peut découvrir vos œuvres. Ah oui, on voit de la photo, on voit des œuvres d'avant. Mais non, je suis sur Facebook. Sur Facebook. Mais je ne mets pas que de la peinture, parce que je fais de la photo. Oui, je suis sur Facebook. D'abord, merci au salon, parce que c'est... Évidemment, c'est pas gratuit, mais je veux dire, ça permet au moins de sortir de son atelier. Et ça, c'est un signe important. Bien, ben, je vous remercie. Et moi aussi, j'ai trouvé ça très sympathique. Ouais, très sympa. C'est vrai. Ouais, chouette rencontre. Et voilà, ben, je vous souhaite de prendre du plaisir. Je vais peut-être en refaire un dans ce genre-là. Pas dans ce genre-là, mais dans l'idée de travailler un peu plus sur cette mise en scène. Mise en place, ouais, avec des couleurs peut-être un peu différentes.